m'appelle Éric Maigret, je suis à la Coperl depuis 1995. J'ai travaillé 11 ans dans la branche aliments, transport d'aliments. Et aujourd'hui, je suis en matière première, c'est-à-dire sur une benne céréalière. Je suis atteint d'un plexus brachial, c'est-à-dire que j'ai perdu l'utilité de mon bras gauche. Suite à un accident de moto, je ne peux pas utiliser mon bras gauche. Je conduis uniquement avec la main droite. J'ai toujours aimé conduire, oui. Quand j'ai récupéré mon permis poids lourd, j'ai fait ma demande auprès de la Coperl comme quoi je voulais réintégrer la société en tant que chauffeur. On a ouvert un peu la discussion donc avec lui, puis avec la GFIP et puis les organismes justement de réinsertion qui permettent de réinsérer ces personnes. On a créé un poste donc, de chauffeur matière première. On a travaillé avec la GFIP et les organismes pour voir un petit peu le besoin au niveau donc, du camion, l'adaptation, du style, donc la boule obligatoire donc, sur le volant. Au niveau du tracteur, j'ai la boule au niveau du volant et j'ai donc les clignotants ici, là, droite et gauche. J'ai le klaxon, les essuie-glaces et les lumières. En sachant que tout chauffeur est responsable de son chargement, Eric a les mêmes aussi obligations d'autre personne. J'ai l'escalier pour vérifier les chargements. Le bâchage est électrique. Le relevage de la barre arrière de protection donc, qui se fait logiquement en manuel donc, mais qui a été fait en automatique donc, pour Eric. Et l'ouverture arrière des portes en automatique qui se fait aussi en manuel pour les autres personnes. Donc on a pris une partie en charge et une partie aussi a été prise en charge justement par les organismes du fait de la réinsertion d'Eric. Mon handicap m'empêche uniquement au niveau du lavage. Je mets plus de temps à laver le véhicule qu'une personne valide. Il est reconnaissant de ce que l'entreprise ou la coopérative lui a apporté. Et nous, on est surtout reconnaissant du travail qu'il fait aujourd'hui. Parce que ça, je sais que par moments, ça peut être pas facile tous les jours, c'est quelqu'un qui se plaint jamais.